Bonjour, bonjour. C'est sur un air dépité que je vous annonce la triste nouvelle, la défaite du PSG face à Dortmund en Ligue des Champions à 0 à 1. Je crois qu'à l'aller, ils avaient perdu aussi 1-0. C'est la catastrophe nationale. Alors, que s'est-il passé? Les deux pieds gauches ont-ils joué sur le terrain? Je crois qu'ils avaient la Dream Team, là, ils avaient des forts joueurs sur le terrain, et finalement, Mbappé qui met pas un seul but, ni à l'aller ni au retour. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Encore une histoire de joueurs surpayés qui n'arrivent plus à courir. Dortmund, je crois que j'ai vu quelque part que perdre contre eux, ça fait tache sur un tweet. C'est catastrophique. Bon, on va voir le petit article hein, du Mercato. PSG Borussia Dortmund, la réaction pleine de dégoût de Luis Enrique. Ouais, il n'est pas le seul. Quelle équipe maudite! À chaque fois si près du but, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Là, c'était la demi-finale. Ouais, un petit pas pour la finale. Il fallait juste courir un peu plus vite. Je crois qu'ils ont mis des poteaux de partout. C'était un festival. Ils avaient des tirs aussi non cadrés. Tout sauf dans les buts. Eh oui, mais moi, si j'étais sur le terrain, j'aurais fait mieux. C'est incroyable. Que s'est-il passé? Après l'élimination du PSG, bah, ça Dortmund, l'entraîneur espagnol s'est exprimé devant les médias de son pays. Encore un échec. Si certains pensaient que le PSG pouvait enfin aller au bout cette saison, il faudra encore attendre un an. Ouais, mais le problème, je crois que Mbappé, il se barre. Et ça va être plus difficile, là. Je crois qu'il part à Madrid en plus. Auxebo. Je crois que c'est eux qui sont en finale en plus. Et ça va, Mbappé, sans pression, il a joué son petit match. Le Borussia Dortmund a ainsi obtenu cette première place pour la finale, s'imposant 1-0 lors des deux rencontres face aux hommes de Luis Enrique. Une double confrontation pendant laquelle les Parisiens n'ont globalement pas brillé, mais il faudra dire qu'ils ont été assez malchanceux, puisqu'ils ont touché 6 fois les montants. Ce qui est incroyable, c'est que, ouais, bah, pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle, hein. Et oui, faut la provoquer, la chance. Après la rencontre, l'entraîneur du PSG avait logiquement la mine des mauvais jours. Il a livré sa première action à chaud devant les caméras de Movistar, très frustré, mais plutôt fair play. Oh, oh, yo, yo. Alors moi, je dis, bah, vous m'adressez même pas la parole. C'est un moment triste dans le sport quand tu perds, surtout quand tu perds de cette façon. D'abord, je veux féliciter BVB. Ils ont fait une belle Ligue des Champions. On les connaissait déjà dans les poules. Ils ont été très compétitifs sur les deux matchs, a-t-il lancé, félicitant son rival au saut du soir. Po, 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 po. Ça sent le traquenard, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, les confidences de Luis Enrique sur l'état psychologique au vestiaire. Le PSG n'était pas inférieur selon Luis Enrique. Puis il a regretté le manque de réussite des siens. On a fait six... Ah ouais, c'est 6 poteaux quoi. Ah ouais, d'accord. Ça fait beaucoup. Sur les deux matchs, 31 tirs. Qu'est-ce que c'est? C'est catastrophique. Mais aucun but, c'est presque impossible à croire. C'est le foot. On a fait 3 expected goals, E 0,7. Ah oui, d'accord. Dans le ratio, ils étaient plus mauvais et pourtant, c'est eux qui marquent. Incroyable. Et c'est eux qui ont marqué. C'est le haut niveau. Ça, c'est le niveau de baltringue, je dirais, parce que c'est pas possible. C'est des professionnels. Ils sont quand même habitués à tirer dans les buts dans toutes circonstances, en haut, en bas, à droite, à gauche. Enfin, je comprends pas. Enfin, on peut dire qu'il y a la pression, mais bon, ils sont payés pour ça, quoi, quelque part. On l'accepte et on va essayer de se relever pour préparer la prochaine. Ouais, la plus prochaine, en photo, c'est fini. Ajouter l'Espagnol très amer. À moins qu'il y ait un truc pour la troisième place. C'est la meilleure compétition. Personne n'avait encore sous-coté Dortmund. Ouais, personne qui connaissait le foot et surtout pas les coachs. Bon, autant miser pour eux, quoi, et voilà, on n'en parle plus. Je ne pense pas qu'on a été inférieur sur les deux matchs, mais le résultat est là. Je leur souhaite le meilleur pour la finale. On va se récupérer, a conclu l'ancien sélectionneur de la Roja, qui ne pourra
pas rééditer son sacre avec 2015 avec le Barça. Avec le Barça, rendez-vous l'année prochaine. Ah ouais, ils vont le garder, quoi. D'accord. Ah bah bravo. Bon, après, c'est des pubs. Ouais, bon, on va pas aller plus loin. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc, moi aussi, amèrement déçu par la double défaite. C'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo dernièrement. Mais voilà, fallait la faire. Allez vous faire foutre, surtout Mbappé. Ça ferait un très bon titre. Alors, ah si, avec les étoiles, ça pourrait passer. Attends, je vais le prendre, c'est excellent ça. On va copier-coller vite fait. Ah ouais, je comprends pourquoi les supporters très très colère. Ah, je les comprends, il y en a qui ont fait le déplacement, hein, qui ont été aller-retour. Et tout ça pour mettre zéro but, c'est quand même assez honteux, mon bon monsieur, surtout pour l'équipe du PSG, hein, qui va être probablement championne de France. Est-ce qu'il y a des trucs croustillants là? Quand faut aller sur Twitter, je suis sûr qu'il y aura les rageux là qui vont bien gueuler, sortir des punchlines bien comme il faut. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour digérer l'affreuse défaite et j'allais dire suite au prochain numéro. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.